entendre ce qu'il a à nous dire et nous voulons avant tout remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Donc je vais vous demander de vous lever, bien-aimés. Nous allons tenir debout pour prier le Seigneur et après nous allons chanter ces quelques cantiques. Nous allons baisser la tête et prier l'Éternel. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ce soir te bénir et t'exalter. Il y a de la joie dans nos cœurs car nous sommes rassemblés dans ta maison. Il y a de la joie dans nos cœurs car nous savons qui nous avons cru. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Saint, le trois fois Saint. Et en Jésus-Christ, notre Seigneur, ce soir nous approchons de toi, guidés et dirigés par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te célébrer et t'exalter et te dire merci pour ce que tu fais et ce que tu es. En ce soir, donne déverser richement ta bénédiction et ta grâce sur ton peuple. Et Seigneur, nous assister. Et Père Saint, ouvrir nos cœurs afin que nous puissions comprendre, entendre ta parole. Dirige et bénis, dirige et conduis, et que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous voulons glorifier le nom de notre Seigneur. Et nous allons entonner ensemble ce cantique qui nous dit « Nous te glorifions, roi des rois, nous te glorifions, Seigneur. Nous te glorifions, agneau de Dieu, toi l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. » Alléluia pour le Seigneur, lui le Dieu Tout-Puissant. Nous allons maintenant entonner ce cantique qui nous dit « Dans les champs, le berger veille aux approches du matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté plus fort que la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. » Dans le champ, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain. Et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus fort que la voix résonne du fond de l'immensité. La crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les...
s'est envolé, et sous la voûte éternelle, le berger reste isolé. Mère a vu sa mystère, son cœur murmure tout bas. Si l'ange a quitté la terre, le sauveur ne s'en va pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Dedans, si précieux, chantons tous comme des anges, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Amen. L'ange a quitté la terre, mais le Sauveur est resté pour accomplir sa mission. Et nous continuons avec ce chant qui nous dit « Béni soit Dieu, bénissons Dieu avec son peuple en tout lieu. » Aux poussières de la terre, aux souffrantes humanités, au monde perdu, le Père par amour a visité. Aux poussières de la terre, aux souffrantes humanités, au monde perdu, le Père par amour t'a visité. Bénissons Dieu, bénissons Dieu, bénissons Dieu avec son peuple en tout lieu. Dieu, car l'Éternel nous a visités, il a envoyé son Fils, son unique. Nous continuons avec ce chant qui nous dit.
Quand dans la nuit, le Fils de Dieu vient sur la terre, soudain, des chants mélodieux dans les cieux éclatèrent. Noël, Noël, chantons Noël. Je ne reconnaissais pas le chant. Quand dans la nuit le Fils de Dieu vient naître sur la terre, soudain des chants mélodieux dans les cieux éclatèrent. Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre maître pour nous sauver, le roi du ciel. Aujourd'hui vient de naître, mais il ne fut pas bien reçu, même à l'hôtel ville. Seuls quelques bergers sont venus voir le Fils de Marie. Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre maître pour nous sauver. Sa grâce, n'avez-vous pas dans votre cœur pour Jésus une place? Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre maître pour nous sauver, le roi du ciel. Aujourd'hui paraître. Amen. Et nous l'attendons. Nous l'attendons. Un jour, il reviendra, il nous l'a promis. Bientôt, Jésus-Christ va paraître. Jésus est né, venez, bergers et mages. Ange du ciel, portez-lui vos hommages. Oui, gloire aux cieux, paix en tout lieu. Voilà l'enfant qui doit sauver le monde. Rayonne autour du
allons à lui. Tout ce qui plaît à ce roi des bonheurs, c'est un cœur pur formé par la prière. À toi, et pour terminer, nous allons tourner ensemble ce dernier cantique qui nous dit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. » Et nous voulons adorer ce Sauveur qui est venu pour pouvoir nous sauver de la maladie du péché. On va se tenir debout pour entonner ce dernier cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu, Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour, s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi. Sur le bois des femmes, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Bien-aimés, nous allons rester debout pour la prière et laisser la place au pasteur Ambroisine qui ira jusqu'ici.
Merci. Frères et sœurs, bonsoir. Chers frères et sœurs qui sont en ligne aussi avec nous ce soir, je vous salue. Le nom du Seigneur Jésus. Prions. Éternel, te bénissons pour cette journée que tu nous as permis de passer sous ton saint regard. Merci de ce encore que ce soir nous pouvons nous retrouver ensemble dans ta maison autour de ta parole, afin encore de méditer ce livre que tu nous as laissé, qui est là comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier pour nous éclairer et pour que nous puissions vivre au milieu de cette génération méchante et corrompue. Tu as fait de nous tes enfants, le troupeau de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit. Tu veux que nous puissions être dans ce monde des lumières qui brille dans un lieu obscur. Pardonne-nous, Seigneur, c'est souvent nous ne sommes pas tout ce que nous devons être, mais ce soir encore, nous nous plaçons sous le sang de la croix afin que tu nous purifies, que tu nous sanctifies et que, Seigneur, tu nous donnes force et grâce pour que nous puissions aller de l'avant avec toi, de progrès en progrès, de sanctification en sanctification. Bénis tous ceux qui sont venus. Nous recommandons ceux des nôtres qui sont absents, ceux qui sont malades notamment, que tu daignes les visiter et dans ta grande miséricorde les relever. Père éternel, ceux qui sont avec nous ce soir en ligne, te demandons que tu les bénisses aussi là où ils se trouvent et donne-leur d'éloigner de toute distraction pour qu'ils puissent une fois de plus encore se pencher sur cette parole et qu'ils puissent la comprendre. Donne à ton serviteur la liberté, donne-lui la grâce, les mots nécessaires pour rendre cette parole claire et intelligible à ton peuple. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien, bien-aimés, avec la fin d'année. Ça avance tranquillement. Bientôt, on va tourner le calendrier, si le Seigneur nous prête vie. Mais c'est comme ça. Dieu vivant. Les choses ne sont pas très faciles, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça devienne facile non plus. Nous sommes dans le livre d'Esther, au chapitre 8. Si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons parlé du jugement du méchant Aman. Comment Aman avait fait un projet de se débarrasser entièrement des Juifs. C'était, nous avons vu déjà, une histoire millénaire. Et les haines sont tenaces entre les nations. Et Aman avait voulu se débarrasser de Mardoché. Et finalement, Dieu a tourné la chose à travers une série d'événements. Les Juifs ont prié, Esther a prié, Mardoché a prié. Et puis Dieu a répondu, et puis finalement, Aman s'est trouvé piégé dans son propre piège. Et on a pendu Aman au bois, le bois qu'il avait dressé pour Mardoché. Et au chapitre 8, nous arrivons à cet édit en faveur des Juifs. Vous savez, ce livre ne serait pas dans la Bible. On aurait l'impression qu'on a affaire à une espèce de un roman, qu'on a écrit quelque chose. Mais c'est dans la Bible. Et nous croyons que la Bible, c'était un livre inspiré par Dieu, et Dieu a voulu que ce soit là, et ce qui est écrit là, c'est comme ça. Parce qu'il y a des choses là qui sont vraiment extraordinaires qui se passent. Comment les choses peuvent tourner en 24 heures? Le roi fait un rêve, on lui lit quelque chose, et puis les choses tournent. Alors, au chapitre 8, et puis ça va vite. Il a dit, en ce même jour,
Le même jour qu'on a pendu Haman, on s'est débarrassé de lui. On a l'impression que le roi Assyrus, c'est un roi assez lunatique. Il avait des couleurs violentes. Parfois, il pouvait traîner sur les choses. D'autres fois, il faisait des choses avec précipitation. C'est un bonhomme bizarre. Le même jour, il est dit, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Tout d'un coup, vous avez une ouverture. Esther présente Mardoché au roi. Et le roi embrasse Mardoché. Le roi ôta son manteau, son anneau plutôt, excusez-moi, qu'il avait remis à Haman. Il prend l'anneau qu'il avait remis à Haman et il le donna à Mardoché. Les choses se font dans les positions avec une précipitation. Il ne connaissait même pas Mardoché. Enfin, il savait que Mardoché, il le connaissait dans ce sens qu'on lui avait dit que Mardoché avait découvert un complot, mais il ne savait pas vraiment grand-chose sur Mardoché. Il ne savait même pas qu'il était juif. Mais tout de suite, il a mis Mardoché en position. Il le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Et il est dit, puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, c'est intéressant de voir tout ça de parole, pour parler à son mari, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils d'Amédiata, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assyrus dit à la reine Esther et au juif Mardoché. Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Et elle a été pendue au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée par l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du troisième mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assyrus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assyrus.
le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui avait été publié dans chaque province et informait tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Arrêtons-nous là dans la lecture. C'est... Cette histoire est simple et facile à comprendre. Il dit, comment ce roi agissait, on a l'impression, spontanément comme ça, il donne son anneau à Mardoché, et puis il dit à Mardoché, ok, la reine veut que je sauve son peuple, écrivez ce que vous voulez. Comme il vous plaira. Autrement dit, il a donné, dans ce verset 8, à Mardoché et à Esther, une liberté totale. Sur le royaume, pour écrire une lettre au nom du roi, sceller la lettre avec l'anneau du roi, et puis, parce qu'il ne pouvait pas. Le roi s'est trouvé, vous savez, dans un problème. Parce qu'il avait déjà donné faveur à Haman pour tuer les Juifs. Et là, maintenant, il veut faire autre chose. Mais cette parole, une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi, ne peut pas être évoquée. Donc, la lettre qu'Aman avait écrite pour détruire les Juifs, il ne pouvait pas changer cette lettre-là non plus. Alors, comme il ne savait pas quoi faire, il s'est débarrassé. Et il a dit à Mardoché et à Esther, faites ce que vous voulez. Écrivez comme vous voulez. En sachant qu'il ne pouvait pas simplement dire que la première lettre est annulée. Mardoché et Esther ont saisi l'affaire. Et ils ont écrit une lettre. On a l'impression que c'est ce qu'ils attendaient. Bon, c'était normal, ils avaient prié pour ça. Alors ils ont écrit, Mardoché a dicté selon ce qui est ordonné par Mardoché, de chaque province, il y avait des langues différentes, il y avait une écriture différente, et il fallait écrire à chaque peuple selon sa langue, chaque province selon son écriture, depuis dans les 27 provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, en passant par l'Afrique, bon, tout le Moyen-Orient. Et puis, ils ont envoyé cette lettre. Mais ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est la manière que Mardoché et Esther ont tourné la lettre. Et ça laisse un peu perplexe, quand même. Ça peut paraître simple, vous regardez ça comme ça.
Mais il est dit dans ce verset 11, ces lettres, dans ces lettres, le roi donnait aux Juifs, bon, c'est Mardochée qui a écrit, hein, avec, en accord avec Esther, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie. Bon, jusque-là, on peut comprendre. Le roi ne pouvait pas, je dis, annuler le courrier de Mardochée d'Aman, qu'Aman avait envoyé auparavant. Mais eux, ils ont décidé, bon, ok, on va donner au peuple juif le droit de défendre leur vie, de détruire. Et là, il rajoute, de détruire, de tuer, de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes. Là, on est dans autre chose, là. Tous ceux de chaque peuple, de chaque province qui portaient les armes pour les attaquer, et de livrer leurs biens au pillage. Partout. Et vous allez voir, dans le chapitre qui suit, comment la chose s'est passée. Et il a utilisé les chevaux du roi, ayant pour monture des chevaux, des blés, et puis ils ont parcouru le pays rapidement pour déclencher ça. Et ça a provoqué une grande joie chez les Juifs. Alors qu'avant ça, ils se lamentaient, là, ils étaient dans la joie. On lit la chose avec un recul de plusieurs millénaires. De 2000 ans et demi. Mais je dis pas, ça suscite quand même une réflexion. Et j'ai tenu ce soir à essayer de provoquer chez vous une réflexion sur trois thèmes. Le premier, c'est cette notion biblique de guerre sainte. Le deuxième, c'est cette affaire de vengeance. Et le troisième thème dont je vais vous parler, c'est la légitime défense. Vous voyez, il faut qu'on distingue ces choses. La guerre sainte, qu'est-ce qu'on appelle guerre sainte? La guerre sainte, c'est une chose qui est dans la Bible. C'est quand on part en guerre contre une nation part en guerre contre une autre nation, pour défendre sa foi, ou pour imposer sa foi. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait fait une promesse à Abraham. Il avait dit à Abraham, je vais te donner un pays. Dans Genèse 15. L'Éternel a dit à Abraham, je vais te donner un pays. Abraham était un tout petit groupe. Enfin, c'était Abraham, Sarah, avec, ils sont sortis d'Ur en Chaldée, et ils sont montés et ils ont été errants dans le pays de la Palestine. L'Éternel a dit, je vais te donner un pays. Mais il y avait du monde dans le pays. Il y avait du monde dans le pays. Il fallait bien qu'ils prennent le pays. Aujourd'hui encore, vous entendez la guerre au Moyen-Orient, guerre au Moyen-Orient. C'est toujours la même chose qui continue. Hein? Vous pouvez vous dire, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est la même chose qu'il a. Dans Genèse 15, verset 13, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse.
Et il dit à la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'Éternel des Amoréens n'est pas encore à son comble. Regardez bien ce qui est écrit dans ce passage. L'Éternel dit, je vais te donner un pays. Mais le moment n'est pas venu. Vous allez être étrangers dans un pays, et ils ont été étrangers en Égypte pendant 400 ans, 430 ans très exactement. Et puis ensuite, il a dit qu'ils allaient sortir du pays d'Égypte avec de grandes richesses, effectivement. Ils sont, après la mort des premiers-nés en Égypte, ils sont sortis d'Égypte avec de grandes richesses. Et puis, il dit à Abraham, ne te casse pas la tête, toi, tu seras mort depuis longtemps. Tu vas aller en paix vers tes pères, tu seras enterré. Abraham n'a pas vu ça. Le temps est passé. Et il dit à la quatrième génération, tes descendants vont revenir ici, dans le pays de Canaan. Et observez la raison pour laquelle il fallait, Dieu a voulu ce délai. Il dit qu'en l'iniquité des Amoréens, les Amoréens habitaient dans le pays de Canaan. C'était ces fils d'Anak qui étaient là quand Josué est rentré. Mais l'Éternel dit qu'il n'allait pas juger les Amoréens tout de suite. Quand il dit l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de méchanceté que les Amoréens devaient atteindre avant que Dieu ne les juge. Dieu ne juge pas le monde à n'importe quel moment. Enfin, il y a des jugements, des petits jugements individuels. Quelqu'un peut, Dieu peut gérer des personnes. N'importe quel moment, dans la vie courante. Mais quand Dieu juge les nations, il y a des seuils. Il dit l'iniquité des Amoréens. Les Amoréens n'ont pas encore fait assez de bêtises. Ils sont pas encore, ils n'ont pas encore péché assez. On va leur donner encore du temps. Et il leur a donné 400 ans pour que leur péché arrive à maturité. Et puis après ce temps-là, Dieu a envoyé Josué. Les Juifs sont entrés dans le pays de Canaan. Et quand ils sont entrés dans le pays de Canaan, l'Éternel leur a dit qu'ils vont passer par le fil de l'épée. Quand vous lisez ça dans la Bible, ça peut vous paraître choquant. Il y a des gens qui lisent ça, qui n'aiment pas la Bible pour ça aussi, qui vous disent, ah ouais, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu sanguinaire. Vous n'avez pas la somme de personnes. La manière que Dieu dit de tuer les gens, de les passer par l'épée, de brûler le... Mais il y a une chose qui leur échappe, tout simplement. Que Dieu est juge de toute la terre. Dieu juge aussi les nations et juge les hommes et juge les nations par les guerres. Une guerre n'est jamais anormale. Je dis donc qu'elle n'est pas anormale, c'est-à-dire que anodine. Dieu contrôle toutes choses. Les Amoréens ont fait leurs affaires pendant 400 ans. Ils faisaient des choses incroyables, ces Amoréens. Ils passaient leurs enfants au feu, ils offraient leurs enfants en sacrifice à des idoles, à Moloch, à toutes sortes de choses. Ils faisaient des choses incroyables. Je ne dirai pas encore en termes d'immoralité à quel niveau ils étaient. On n'est pas loin derrière. Bon, bref. Mais c'était, il y avait une abomination extraordinaire parmi ces Cananéens. Et le moment est arrivé pour Dieu de juger les Cananéens. Et quand le moment est arrivé pour Dieu de juger les Cananéens, il a envoyé les enfants d'Israël pour envahir le pays. Et quand Israël a pris le pays, il a fait plusieurs choses. Ils ont pris le pays, certes, pour eux, mais en même temps, ils ont exécuté un jugement de Dieu sur ces nations. Ce n'était pas un truc comme ça qui est fait à la légère. Quand l'Éternel envoie Josué, il envoie Josué pour prendre le pays. Dans Josué 6,
Et puis, évidemment, ça impliquait. Je dis ça choque parce que nous sommes dans une société un petit peu fragile. Et comme nous sommes fragiles, on est choqué par des choses parce que nous sommes... Mais en ce temps-là, les gens n'étaient pas aussi comme ça. Quand vous lisez dans Josué 6, il est question de la prise de Jéricho, au verset 21. Il est dit, ils dévouèrent par interdit. Dévouèrent par interdit, c'est-à-dire au fil de l'épée. Il précise, au fil de l'épée. Ils ont livré à la malédiction cette ville. Ils ont passé les gens au fil de l'épée, c'est-à-dire ils les ont transpercés. Tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards, qu'est-ce que les enfants avaient à voir dans ça? Jusqu'aux bœufs, aux brebis, aux ânes. C'était tout qu'il fallait raser, nettoyer, brûler. Il n'était même pas question pour eux de prendre les choses dans la ville. Au verset 24, il est dit qu'ils brûlèrent la ville. Ça peut paraître barbare, mais je dis, je répète, ils exerçaient un jugement. Si vous écoutez ce qui se passe de nos jours, dernièrement, Poutine, le président russe, a eu un discours. Il est exactement dans cette logique. Et on l'a lu la Bible aussi, hein. Faut pas croire. Ils prennent dedans ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas l'évangile, mais ils lisent la Bible aussi. Il a dit qu'il est en guerre contre l'Occident, parce que l'Occident fait des bêtises. L'Occident, c'est nous, c'est l'Europe, c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est le grand Satan, et que il est en guerre pour... Ils se sont investis d'une mission de nettoyage. Et qu'est-ce qu'il dit? Je l'écoute parler, parce que ces gens-là, dans leur foi, ou leur religion, ils considèrent, ils disent, l'Ukraine, c'est un pays pourri. Il y a beaucoup de corruption, beaucoup de choses qui se passent là. Nanana. Bon, ils ne voient pas comment ils sont, mais enfin, pour eux, il y a beaucoup de choses. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Il faut nettoyer ça. Et il n'a aucun problème pour s'il faut lâcher une bombe pour brûler tout ça. Il sent qu'il fait une œuvre de purification mondiale en faisant cette guerre. Enfin, c'est ce qui est son discours officiel. Et c'est ce qu'il dit à son peuple. Et les Russes sont derrière lui sur cette base-là. Et même certains Européens. Ils sentent qu'ils sont investis. Vous savez, pendant le Moyen-Âge, vous avez été à l'école, vous avez entendu parler des croisades. Les croisades, c'était quoi? Les croisades, c'était des guerres saintes, une forme de guerre sainte. L'Europe allait pour libérer la Palestine du joug des musulmans, la terre sainte. Et ils partaient en terre sainte pour faire la guerre contre les incrédules. Et pour eux, ça passait par l'épée, la violence. Et en faisant cela, ils sentaient qu'ils faisaient une bonne œuvre de nettoyage. Il y a eu 200 ans de croisade en Europe contre l'islam. Contre l'islam en Palestine. Aujourd'hui, quand vous écoutez l'islam dit la même chose. Ils sont en croisade pour nettoyer l'Occident qui est désagréable. Et ils parlent, quand ils vous disent ce mot, djihad. Ça veut dire guerre sainte. Ils sont dans une guerre. Et ils vivent la chose, ça passe par tous les moyens. Bon. On veut nettoyer, purifier,
enlever le mal. Donc, dans leur tête, il y a un fanatisme qui ne recule devant rien. Quand vous lisez ce texte, revenons à notre texte, on a l'impression que là, on a presque l'impression que les Juifs partaient dans une posture de pourquoi il fallait qu'ils tuent, qu'ils détruisent petits-enfants, femmes. Ces gens-là ne leur avaient rien fait. De tout peuple. Et ils ont fait effectivement un véritable nettoyage. Eh bien, il y a une chose que nous devons garder à l'esprit. Ça, c'était l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament et dans l'Ancien Temps, et même après l'Évangile, puisque vous avez parlé des croisades. Les croisades, c'était après Christ. L'Église catholique a mené des guerres de religion. Mais la Bible ne nous enseigne pas, dans le Nouveau Testament en tout cas, que nous devons chercher à enlever le mal du monde. Il y aura toujours le mal dans le monde. Nous ne sommes pas là pour enlever le mal du monde et on n'a pas à utiliser les armes ou quoi que ce soit pour enlever le mal du monde. Le mal va être là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est ça que Jésus a enseigné dans la parabole de l'ivraie, dans Matthieu 13. On lit ce texte, on le lit mal. On applique ce texte souvent à l'Église. Ce texte n'a rien à voir avec l'Église. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Dans Matthieu 13, Jésus explique cette parabole de l'ivraie. Matthieu 13, verset 36. Les disciples sont venus vers lui. Vous connaissez l'histoire de l'ivraie. Le maître a planté son champ, et puis quelqu'un est venu, le malin est passé, il a semé une vieille graine. Au verset 36, il dit, « Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. » Et il dit, « Le champ, c'est le monde. » Il ne dit pas, « Le champ, c'est l'Église. » Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ce sont les enfants de Dieu dans le monde. L'ivraie, ce sont les fils du malin, les enfants du diable. Les enfants du diable et les enfants de Dieu ont vocation de vivre ensemble dans le monde. L'ennemi qui a semé l'ivraie, les fils du diable, c'est le diable. Mais il dit la moisson, ce n'est pas nous qui la faisons. Il est dit, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Oh, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'enseignement doit avoir l'éclair. Il dit on applique ça à l'Église, on dit qu'il ne faut pas nettoyer l'Église parce qu'il ne faut pas arracher de l'Église les mauvaises herbes parce qu'il faut les laisser pousser ensemble. Et puis ils utilisent ce texte-là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas là qu'il faut trouver ça. Ça n'a rien à voir. Le texte nous dit de ne pas arracher l'ivraie du monde. Le champ, c'est le monde. Et puis ces gens-là ne veulent pas de discipline dans l'Église parce que la Bible dit « laissez pousser ». C'est pas ça. Laissez pousser le mal dans le monde. Nous ne sommes pas là pour nettoyer le monde. Il y a des gens, j'ai parlé tout à l'heure de Poutine, qui savent que leur devoir, c'est d'arracher le mal en Occident, de détruire le mal, l'empêcher. On ne peut pas détruire le mal. On ne peut pas détruire le mal. Il est dit, les anges vont venir à la fin des temps, à la fin du monde, et ils vont extraire, ils vont faire le partage, le nettoyage.
Donc, il n'est pas question de se dire, ouais, on va militer, on voit des gens qui sont des militants politiques ou toutes sortes de choses pour soi-disant sauver le monde. Non, on va, ni vous, ni moi, ni personne ne va arriver à extraire le mal du monde. Le monde est condamné à descendre de plus en plus, à pourrir aussi au pied, jusqu'au moment où Dieu va venir, le Seigneur Jésus va revenir et il va faire le nettoyage avec ses anges lui-même. Donc, cette notion de guerre sainte, ce sont des gens à côté. Ce n'est pas parce que ça nous déplaît, ce qui se passe, qu'on doit ni prendre des armes, ni manifester, ni... Ce n'est pas à notre place. L'Église dans le monde est appelée à être un témoignage, à sauver, à arracher du milieu du monde les élus de Dieu. C'est pas, nous ne sommes pas là pour changer la face du monde. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. On voit des nations, on voit des présidents qui essaient de changer le peuple. En Afrique, vous avez des présidents qui sont chrétiens, ils se disent chrétiens. Bon, vous avez au Brésil, Bolsonaro, ils se disaient chrétiens. Vous avez aux États-Unis, vous avez... Trump qui voulait sauver l'Amérique, mettre l'Amérique chrétienne. Mais ça ne va pas arriver. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas où est-ce qu'ils prennent ça. Jamais. Ce n'est pas par la politique qu'on va changer le monde. C'est Christ qui change le monde. Et la manière que le Seigneur nous a donnée pour changer le monde, c'est par une seule puissance, et c'est la puissance de l'Évangile. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes déjà trop habitués à l'Évangile. On est devenu presque incrédule sur l'Évangile. Mais la Bible dit, je n'ai point honte de l'Évangile, car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. La seule puissance que le Seigneur a déployée pour changer le monde, c'est l'Évangile. Et c'est ce qu'il nous a donné. Il ne nous a pas donné la violence. Il ne nous a pas donné de moyens charnels, d'âme charnelle pour faire toutes sortes de gestes, pour essayer de changer le monde. L'Évangile. Bon, mais du temps d'Esther, bon, il n'avait pas... Bon, il était parti dans autre chose. Maintenant, est-ce qu'ils étaient dans une démarche de guerre sainte? Peut-être. Ils ont cru qu'il fallait se débarrasser de toutes des Agadites qui étaient sous la malédiction. Si vous vous souvenez, on avait vu comment Amon était fils d'Agag et comment Agag, depuis Amalek, était sous la malédiction à cause des Juifs. Donc, il était parti pour faire quelque chose. Mais est-ce qu'il était peut-être aussi dans une démarche de vengeance? Certes, on avait décrété de les tuer. Bon, qu'ils se défendent. On peut peut-être comprendre. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont partis un peu dans un excès? Parce que, vous savez, il y a une petite nuance entre la légitime défense et la vengeance. Quand on est dans la vengeance, on est dans autre chose. Quelqu'un nous fait du mal, on se venge. On lui donne, je dirais, parfois, on veut lui donner plus que ce qu'il nous a fait ou qu'il ne nous a même pas fait. Pourquoi? Parce que le cœur est parti dans autre chose. Parfois, il y a des procès en Martinique. Les choses se passent. Et puis, des choses vraiment graves. Les gens arrivent devant le tribunal. Et puis, les journalistes aiment toujours interviewer la partie civile, les gens qui ont été agressés ou machin.
Et c'est intéressant de voir d'écouter les réactions. Vous avez des gens qui disent, parfois, je ne lui en veux même pas. Et puis il y a d'autres qui disent, on ne lui a pas donné assez. On ne lui a pas donné assez. Bon, c'est à chacun de voir. Mais ça montre l'état d'esprit des gens. Il y en a qui sont prêts à... Parfois, il y a déjà 5 ans, parce que quand le moment quelqu'un fait un cas, et le moment qu'on le juge, vous avez déjà 3-4 ans, il passe. Alors, ça a déjà fait combien d'années de préventive, l'affaire passe. Il y a des gens qui disent, bon, qui arrivent à penser leur plaie et à surmonter la chose. Et puis, il y en a qui restent là, sur la chose, et puis qui sortent du tribunal en colère parce qu'ils estiment qu'on n'a pas donné assez. Bon, on ne va pas se prononcer pour dire qu'ils ont raison ou tort. C'est chacun qui gère ça. Mais parfois, l'esprit de vengeance n'est pas très loin. Parfois, on veut se venger de la personne. On lui fait du mal. On n'est pas prêt à pardonner. On veut une vengeance. Et on s'imagine parfois que si on se venge, on va être heureux. Mais ce n'est pas dit. Il faut qu'on lui rende l'appareil. Il m'a donné un coup de poing, il faut que je lui donne 3 coups de poing. On n'est pas content tant qu'on ne s'est pas vengé. À un vieil esprit. En tout cas, ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Et ça peut se retrouver même dans le cœur et dans la vie des chrétiens, l'esprit de vengeance. Et c'est là qu'il faut se souvenir de cette parole de Paul dans Romains 12, verset 19. Un petit verset qu'il faut apprendre par cœur, si vous ne le connaissez pas. Oh, parce que vous le connaissez. Vous êtes là assez longtemps. Il est dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimé. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Se venger n'est pas de Dieu. L'esprit de vengeance n'est pas de Dieu. Vous avez lu dans ce testament, vous avez su parfois comment dans la Bible, Saül a poursuivi David. Il lui a fait voir de toutes les couleurs. Sans cause, hein? David n'a rien fait à Saül. Et en 2 occasions, Saül s'est trouvé à portée de main de David, et il pouvait le tuer. Un jour, il a coupé, il est rentré dans une grotte pour pouvoir faire un besoin, et David était dans la grotte. Et il ne l'a pas vu, David a coupé un morceau de son manteau. Et la Bible nous dit qu'il a tremblé, il a dit, je n'aurais pas dû faire ça. Après, il est sorti, il a montré ça à Saül, l'autre côté. Il a dit, d'après toi, tu as des gardes de corps, regarde ce que j'ai. Où est-ce qu'ils étaient? Abner, celui qui te protégeait là, il n'a pas vu que j'aurais pu te tuer. Mais il ne pouvait pas faire ça. Il a laissé Saül sur le compte de l'Éternel. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait laisser les ennemis sur le compte de l'Éternel. Qui ne cherche pas de vengeance, qui ne demande même pas de vengeance. Parfois, on peut sentir quand, ouais, on ne m'a pas donné, on ne m'a pas fait justice, on veut se faire justice soi-même. Non, laissez ça. L'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution.
Quelqu'un peut vous faire des petits tests. Peut vous... oui, les gens font des méchancetés. Hein? On est dans un monde qui est comme il est. Bon, il faut vivre avec. Il est dit, bénissez, ne maudissez pas et ne cherchez pas à vous venger. Jamais. Et si l'esprit de vengeance vous a capable, je l'ai souvent dit ici, la recette, c'est prier pour la personne. Jusqu'à ce que vous puissiez nettoyer votre tête et ne plus avoir cette personne devant vos yeux. Oui, quand vous priez pour la personne, vous évacuez ça. Et puis, la vie continue. Mais certainement qu'on a l'impression là, dans le texte, que Mardoché était dans une dynamique de vengeance. Et là, il n'était pas tout à fait en place. Bon, on ne peut pas demander à ces saints dans ce testament d'intégrer l'esprit du Nouveau Testament. Mais nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous ne devons pas non plus prendre prétexte de ce que ces Juifs ont fait à l'époque pour croire que c'est notre devoir et droit de faire des bêtises. Parce que là, ils étaient dans un truc qui était... Bon, Dieu juge. Mais se venger n'est pas dans le Nouveau Testament. Et ça ne doit pas être dans le cœur et dans la vie, dans l'esprit du chrétien. Maintenant, on arrive à cet autre aspect des choses, qui est la légitime défense. Est-ce qu'ils étaient menacés? On avait écrit des lettres pour les tuer. Et il est dit, au verset 11, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie. Et ils ont rajouté de détruire, de tuer. Mais c'était la permission. Une permission. Ce n'était pas obligatoire. Vous allez voir que par la suite, ils ont presque organisé une espèce de razzia. Bon, il n'est pas interdit, si on est attaqué, de se défendre. Mais même dans le droit français, la légitime défense s'arrête à cette notion de proportionnalité de la réponse à l'attaque. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, si la personne vous donne un coup de poing, vous n'avez pas le droit de donner un coup de couteau là. Ça n'a rien à voir. Là, vous êtes sûr, on vous condamne. Il vous a donné un coup de poing. Vous passez un coup de couteau là, ce n'est pas la même chose. Là, ce n'est pas légitime défense. Là, c'est, vous êtes passé dans une autre dimension où la personne vous a insulté, vous lui donnez un coup. Non. Même dans notre petit pays, enfant, on vous dit, on ne boycotte pas parole pour coup. Les hommes souvent aiment faire ça. Vous savez, les hommes souvent... Pourquoi souvent, c'est une parenthèse, les hommes lèvent la main sur les femmes? Certains hommes. Disons certains hommes. Pas dire les hommes, et pas tous les hommes. Certains hommes lèvent la main sur les femmes, ce qui est une abomination. Une femme, c'est pas notre femme, c'est pas notre enfant. Et même maintenant, on était dit de lever la main sur les enfants. Bref. Mais ça ne va pas se faire. Mais pourquoi? Souvent, c'est que parfois, les femmes ont des petites paroles. Elles ne sont pas fortes. Il y en a quelques-unes qui peuvent tenir un homme le soulever. Mais la majorité est assez fine, petite. Mais leur langue est souvent aiguisée.
Et elles ont des paroles qui blessent. Et quand l'homme entend une parole qui l'a blessé, il ne sait pas quoi répondre, parce que les hommes n'ont pas souvent pas beaucoup de paroles. Et il se réfugie dans la violence. Et on condamne les maris, parce que ou l'homme, quel qu'il soit, avec raison, pour lui apprendre à se comporter correctement. Parce qu'on ne change pas la parole beaucoup. Et il a donné une parole, vous répondez avec une parole, vous ne levez pas la main. Ça, ce n'est pas légitime défense. Il dit, ah, il dit moins ça. Mais oui, il vous a dit ça, mais il ne vous a pas touché. Quelqu'un peut vous dire un truc, il ne vous a pas touché, vous ne pouvez pas dire, le battre. Mais il y a des gens déréglés. Ça, ce n'est pas légitime défense. On a le droit de se défendre si on est attaqué, agressé. Bon, il n'y a rien de mal à ça. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Hein. Pas obligatoire non plus. Quand vous lisez le Nouveau Testament, à aucun moment vous ne voyez enseigner qu'il faut réagir quand on est agressé par la violence. Parfois, je lis le Nouveau Testament, je reste à réfléchir, je me dis, mais c'est extraordinaire comment l'Évangile a une approche. On a l'impression qu'il vient d'ailleurs. Les gens du monde ne comprennent pas ça non plus. Pour eux, l'Évangile n'est pas adapté à la société moderne. Dans un monde comme ça, venir avec ce message de l'Évangile qui est un message d'amour, ça n'a pas sa place. C'est décalé. Dans un monde aussi violent, vous venez aimez-vous les uns les autres. C'est quoi ça? Avec ça, vous allez aller où? Non, c'est coup pour coup. Et c'est ce qu'on apprend à nos jeunes, à l'école, à nos enfants. Il faut être agressif. Il faut être agressif. Agressif, il faut s'affirmer. Tout le monde veut s'affirmer. Non, ce n'est pas l'enseignement biblique. Jésus est venu dans un monde, il était doux, nous avons parlé de ça, humble de cœur. Les Juifs ont été attaqués par les Romains. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Il ne leur a pas enseigné de prendre l'épée, jamais. Pierre était chaud, vous savez. Quand Jésus a été arrêté, il a tiré son épée, flap. Et puis, le temps qu'on réalise, il avait déjà coupé l'oreille du serviteur, du sacrificateur. Ça, c'était un homme violent. Et il était prêt à un combat. Et le Seigneur lui a dit, Pierre, calme-toi, s'il te plaît, sois gentil. Je n'ai pas besoin de toi. Si je peux, je peux me défendre tout seul. Je peux à l'instant demander à mon Père des légions d'anges qui vont venir me délivrer là et puis balayer tous ces gens-là. Mais celui qui tue par l'épée, périt par l'épée. Alors, rentre ton épée, reste tranquille, laisse faire. Ce qui se passe là te dépasse. Ça le dépassait aussi. Il n'a pas compris qu'il fallait que ça se passe. Mais le Seigneur n'a jamais enseigné à ses disciples de répondre à la violence par la violence, de réagir en faisant le mal. Même quand il dit Jérusalem devait être envahie, qu'est-ce qu'il en sait? Regardez dans Matthieu 24. Il dit, Jérusalem va être envahie par l'armée romaine. Ça va arriver. Au verset 15. Lisons à partir du verset 15, Matthieu 24. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, qu'est-ce qu'il dit? 1. Que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il dit malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là, et puis prier
que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car la détresse sera si grande qu'il n'a jamais eu de pareil depuis le commencement du monde, etc. Qu'est-ce qu'il conseille à son peuple? Jésus conseille à son peuple de, quand ça va arriver, il ne leur dit pas de se barricader, de rentrer en guerre avec les Romains. Non. Celui qui est en Judée, allez. Autant le Seigneur inclut comme riposte de fuir. On peut penser, si on fuit, que parfois les gens peuvent penser que nous sommes lâches. Il dit que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre celui. Et celui qui est dans les champs ne donne pas autant d'arrière d'aller. Nous avons de temps en temps les nouvelles des chrétiens persécutés. À aucun moment vous ne les voyez prendre les armes contre ceux qui les persécutent. Et c'est bien. Ils sont dans l'esprit de l'évangile. Ils ne sont pas dans l'esprit d'un combat. C'est pourquoi on voit les chrétiens parfois qui rentrent dans des groupements. Ce n'est pas leur place. Parfois, on a posé la question de savoir est-ce qu'un chrétien doit être dans un syndicat, doit manifester dans la rue, sa bande. Arrêtez. Si vous faites ça, je ne vais pas vous discipliner, mais vous méritez de discipliner. Ce n'est pas à votre place. Avec un problème avec votre patron, allez le voir. Parlez avec lui. S'il ne vous donne pas satisfaction, vous n'arrivez pas à tomber d'accord. Laissez le travail. Vous n'avez pas à être devant le machin, à faire pousser, à pousser, repousser, machin. Vous voyez comment ça se passe quand on est dans ces machins-là. Ce n'est pas la place du chrétien. Alors les gens, quand vous dites ça, ils vont vous dire, ouais, vous acceptez tout ça. Ce n'est pas qu'on accepte. On a un témoignage. Nous disons, notre royaume n'est pas de ce monde. Nous ne nous battons pas pour le matériel. Travailler, on doit vous payer. Si on ne vous paye pas, changez de travail. Mais vous ne pouvez pas prendre bâton, barrer la route. Ce n'est pas à votre place. Ce n'est pas notre place. Ce n'est pas la place du croyant. Pour faire ça, il faut déjà avoir mis l'évangile un petit peu derrière notre dos. Il y en a qui le font. Alors, vous les voyez même à la télévision en train de... C'est pas ça. L'ennemi presse sur vous. Vous pouvez être dans vos doigts. Mais parfois, pour l'évangile, il faut savoir. Il est dit, vaut mieux lâcher prise. Dans... Si on regarde notre verset dans Matthieu 10, verset 23... C'est la même chose. Jésus dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre ville. L'ordre est simple. Bon, je dis, on voit ça avec les pays persécutés. Les gens envahissent, ils arrivent, ils attaquent. Les chrétiens auraient pu se blinder dans leur église, machin, puis prendre leur machin, puis se mettre à lutter avec ces musulmans ou ces autres groupes qui les attaquent. Non. Vous ne voyez pas ça? Ils ont une résilience. Ils fuient. Ils peuvent faire ça. Ils se retirent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils brûlent l'endroit. Ils font des bêtises. Après quelque temps, ils se calment. Et puis, ils reviennent. Ils reconstruisent. Ça, c'est l'évangile. Non? C'est pas... il faut qu'on se fasse une bande aussi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En tout cas, ce qui est dit dans le livre d'Esther est loin, là, dans cette partie-là, de l'esprit du Nouveau Testament. Autant on peut comprendre le désir de se protéger,
si on les attaque. Mais de là à aller plus loin, détruire les enfants, les femmes, les... non, non, piller, non, c'est pas dedans. Ce genre de truc-là, ça ne, c'est pas digne. Là, les Juifs, dans cette affaire, ils se sont laissés aller. Et ils ont ce qu'il fallait faire. Mais, ou bien ils étaient dans une démarche de guerre sainte, ce qui n'était pas à l'autre du jour. Ils étaient chez les Babyloniens, ils n'avaient pas de guerre sainte à mener là. Se venger n'avait pas de place non plus. Et vouloir envahir, parce qu'ils étaient quand même étrangers dans le pays, ils auraient dû, quand on leur a donné l'autorisation, je termine, de laisser le pays, ils auraient dû partir. S'ils étaient remontés à Jérusalem avec Esdras, avec Zorobabel, ils avaient la possibilité. Ils ne sont pas remontés. Ils sont restés à Babylone. Et puis ils se sont installés là. Et puis ils sont devenus agressifs au point où c'est eux maintenant qui attaquent les Babyloniens chez eux. Un petit truc là qui n'est pas catholique. Oui, parce qu'ils se sont sentis, nous sommes chez nous, on est resté là 70 ans, plus de 100 ans, il y avait à peu près 150 ans, même plus, qu'ils avaient été en captivité à Babylone, ils étaient installés, donc il n'y avait pas question qu'on les machins, ils devraient se défendre. Et même prendre la main sur les gens de la ville, ce n'était pas normal. Bien aimé que nous puissions retourner toutes ces choses dans notre esprit. Prendre ce qui est bon, rejeter ce qui est mal. Ne prenons pas tout comme si c'était ce qu'il faut faire. Il y a des choses là qu'il ne faut pas faire. La Bible nous enseigne autant ce qu'il faut faire que ce qu'il ne faut pas faire. Il faut bien comprendre les choses et interpréter la parole avec la parole. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Qu'il nous éclaire, qu'il nous aide à retourner ces choses dans nos cœurs et dans notre esprit, et que nous puissions être, par la méditation de la parole, changés à l'image de Jésus. Nous allons tenir debout pour prier. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons pour ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, si souvent nous oublions ce que nous sommes en Christ. Ce à quoi tu nous as appelés, à être des témoins au milieu d'une génération méchante et corrompue. À être des lumières qui brillent dans un lieu obscur. Que notre lumière puisse briller parmi les hommes, qu'ils puissent nous voir vivre. Et même si parfois ils ne comprennent pas notre fonctionnement, que Seigneur, nous puissions les interpeller simplement en faisant ce que toi tu attends de nous. Enlève de nos cœurs toute animosité, toute haine, toute rancœur, et que nous puissions voir ce monde comme ton fils Jésus l'a vu, un monde perdu, des brebis sans berger, qui ne savent pas ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils, où ils vont. Aide-nous, Seigneur, à les éclairer avec la force et la grâce que tu nous donnes, par notre exemple et par notre vie. Accompagne-nous ce soir avec ta paix, prépare la fin de semaine pour nous. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne. N'oubliez pas le calendrier, les calendriers. Profitez.